Bonjour, je m'appelle Pascal Bonan. Je suis le régisseur des Caves de la Mignonne. Caves de la Mignonne qui accueille aujourd'hui et demain donc la Foire au vin de France, qui dure depuis 41 ans et qui accueille une quarantaine d'exposants qui viennent de tous les coins de France. Donc c'est une foire qui vraiment est représentative vraiment du territoire français de l'Hexagone. Ben, on est dans l'antre des Caves de la Mignonne, là où se prépare tout ce qui est assiette anglaise, crottin de chavignol, andouillettes, saucisses, etc. et barquettes de frites. Et donc c'est à chaque village vigneron de fournir un ou deux vignerons qui vont tenir la petite auberge des Caves de la Mignonne là, pendant tout le week-end. Je suis Franck Millet, viticulteur à Bueil-en-Sancerre. Je suis aux Caves de la Mignonne. Caves de la Mignonne, c'est une grotte, comme vous pouvez le remarquer, qui se situe au pied de la colline de Sancerre. Et comme tous les ans au mois d'août, il y a la foire au vin des vins de France. Vous êtes au champagne Éric Bunel. Je viens depuis le début, c'est-à-dire les années 1973. Vous voyez le cadre très agréable de la cave. Nous sommes les petits nouveaux de la foire. Nous représentons la Savoie. C'est la première fois que la Savoie est présente sur la foire au vin de Sancerre. Bon, nous sommes le champagne Labbé. Nous sommes présents sur la foire de Sancerre depuis 1975. Au départ, il n'y avait qu'une salle qui était la première. Aujourd'hui, tout est ouvert. Bonjour, Thierry Donnet, viticulteur à Amboise. Eh bien, je suis sur la foire au vin de France depuis 1979. Et l'ambiance est, ma foi, super bonne et c'est très, très bien organisé. Et puis, il y a toujours du touriste et les clients sont très fidèles. Christophe Camus, viticulteur à Chablis depuis 6 générations. Ici, à Sancerre, je viens depuis 19 ans. Il faut dire qu'à Sancerre, c'est un très beau lieu, un très bel endroit, dans des grottes, toujours au frais, avec une très belle clientèle qui nous attend tous les ans.